Poitiers, adhérent de la CUMA des volontaires. Nous sommes ici dans une CUMA située à Petit-Meur, à 25 km au nord de Nantes. Une CUMA assez dynamique, d'une trentaine d'adhérents, en zone polyculture élevage. Nous avons toute une panoplie de matériel, du travail du sol semi jusqu'à la récolte. Nous avons également un salarié qui permet d'assurer la partie conduite sur les exploitations, entretien du matériel, mais également les adhérents peuvent aussi utiliser les tracteurs eux-mêmes avec le matériel derrière. Donc nous sommes ici au bâtiment de séchage de la CUMA des volontaires. Donc c'est l'aboutissement d'un projet mené à 5 exploitations, répondant à plusieurs objectifs, l'autonomie alimentaire, l'autonomie protéique et la traçabilité des aliments donnés aux animaux. Parmi les 5 membres du séchoir, 2 sont en production laitière biologique, dont un en vente directe. Un adhérent en production volaille vente directe également. Un producteur de viande bovine. Et un éleveur de chevaux. Particularité de notre séchoir est la capacité de pouvoir sécher du foin et aussi des céréales. Le gros intérêt que nous avons pour sécher du foin ici, c'est de valoriser au mieux la légumineuse et d'en tirer un meilleur parti, un meilleur profit pour la production de nos animaux. Pour le foin, les chantiers se divisent en plusieurs étapes, la fauche, suivie d'un fanage, comme un foin traditionnel. Ensuite intervient, 3 à 4 jours après, la récolte en dénage, autochargeuse. Le foin est ensuite ramené ici dans le bâtiment, mis en cellule, séché durant une période de 3 à 6 jours environ, en fonction de la météo. Et ensuite, le foin est reconditionné dans une presse post-fixe pour être ainsi acheminé sur les exploitations. Donc la technique de séchage de ce bâtiment permet de sécher du colza, des céréales d'été, enfin blé, triticale, orge, et ainsi du maïs grain. Donc ce qui permet aux exploitants de pouvoir stocker leurs céréales à la ferme, dans de bonnes conditions, éviter ainsi les échauffements, et pouvoir donner à leurs animaux sur toute la durée de l'année, pour avoir une meilleure conservation, et être ainsi autonome. Le bâtiment est conçu de façon à pouvoir sécher différents produits séparément. Donc il est composé de 8 cellules indépendantes, ce qui permet d'avoir une traçabilité complète pour les agriculteurs. Les produits sont donc pesés en entrée, repesés en sortie, et le bâtiment est aussi certifié par un organisme certificateur bio. Pour limiter notre coût énergétique, le bâtiment est conçu pour récupérer toute l'énergie solaire afin de réchauffer l'air dans une chambre. Ensuite, toute cette air-là est propulsée par des ventilateurs en dessous des cellules, passe au travers de grilles. Ainsi, l'air traverse le produit, se recharge en eau et est ressorti et ressort automatiquement des cellules. Et ainsi, le circuit se fait automatiquement, se fait en continu. Donc ce projet reste atypique et ambitieux par son dimensionnement, le fait aussi que nous sommes en collectif et de répondre aussi à une ambition collective de réduire notre coût alimentaire et surtout protéique. En ce qui concerne les produits sortis du séchoir, nous en sommes pleinement satisfaits. Ça répond entièrement à nos objectifs. Ne plus acheter de protéines à l'extérieur et être entièrement autonome.